Bienvenue dans notre émission Clin d'œil spécial été. L'été, c'est la saison de la musique et des bons moments partagés. Pour cela, nous nous sommes rendus dans une des écoles de musique les plus réputées en France. Pour percer tous leurs secrets, nous avons envoyé notre meilleure journaliste, Clara Dolovan. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons visiter une école exceptionnelle, réputée pour la qualité de ses cours et le fait qu'elle fabrique elle-même ses propres instruments. Partons maintenant à la rencontre du directeur. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, je veux savoir, depuis quand l'école existe-t-elle ? Alors, l'école existe depuis 1984. Combien d'élèves vous recevez à peu près ? Durant une année scolaire ? Environ entre 250 et 320 élèves. Et quel est le but de cette école ? Écoutez, dans cette école, ce qui nous importe le plus, c'est la fusion entre l'élève et son instrument. À la fin du cycle scolaire, ce qui nous importe, c'est arriver à avoir une fusion totale entre l'instrument et l'élève. C'est vraiment notre grand principe pédagogique. Neuf heures par jour, la musique retentit entre ces murs. Les élèves ont accès à une dizaine de salles équipées. Le reste du temps, ils ont ce grand parc à disposition. Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes tous dans cette école de musique, c'est ça ? Oui, oui. Élèves, oui. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensiez de cette école de musique ? On y mange mal. C'est cool, la plupart des gens sont sympas, les animaux aussi, donc ça va. Super ambiance, franchement. Ouais, c'est ouais, c'est musique 24h sur 24, donc ça va, franchement. Ouais. Quel style de musique vous jouez en général? Pop, rock, indie, funk, avec une touche de K-pop. Un peu de reggae des fois. Non, pop, jazz, ce genre de choses. Ouais. D'accord, merci. Et comment est-ce que fonctionne le travail de groupe en général? Dans notre groupe, à nous, on est 6. Mais non, on est cinq. Parce que Alice a arrêté de venir depuis quelques temps, du coup... Deux semaines. Ouais. Ah putain, c'est là où j'ai reçu ma nouvelle guitare. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Ah ouais ? Bon, bah merci d'avoir répondu à nos questions. Ah, pas de problème, ouais, bonne journée à vous. Au revoir. Cette école compte une vingtaine d'enseignants qualifiés venus d'origines diverses. Voilà une professeure de musique, nous allons lui poser quelques questions. Bonjour. Pouvez-vous nous poser quelques questions ? Bien sûr. Nous sommes en reportage sur cette école de musique. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Donc, vous êtes professeur de musique ici, c'est ça ? Tout à fait. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement artistique ? Eh bien, à travers l'enseignement, moi, ce que j'aime, c'est tout simplement le fait de transmettre. Et ce qui est magique avec la musique, finalement, c'est que c'est un langage universel, donc tout le monde s'y retrouve. Oui, en effet. Et quel est le niveau demandé pour entrer dans cette école ? Eh bien, il faut savoir qu'on accueille des gens avec de très petits niveaux, finalement, à partir de 2 mois de pratique. Et suite à une évaluation, un entretien, on peut entrer dans cet établissement. D'accord, merci. Une dernière question. Nous avons appris qu'Alice, une élève, ne vient plus depuis quelques temps. Pouvez-vous nous apporter des renseignements sur ce qui s'est passé ? Alice était une excellente élève. Et il faut savoir qu'en conséquence, elle a été transférée. Intéressons-nous à présent à une des particularités de cette école, la fabrication des instruments. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on peut voir l'atelier ? Non, ça c'est pas possible, c'est pas réservé au public ici. Ah mince, et on peut vous poser quelques questions peut-être ? Oui, mais rapidement, parce que j'ai pas vraiment le temps. J'ai des instruments à finir de fabriquer, c'est pas trop possible. D'accord, on a entendu qu'une élève, Alice, elle venait plus en cours depuis quelques temps. Est-ce que vous savez pourquoi peut-être ? De ce que je sais... Elle a été renvoyée parce qu'elle n'avait pas un niveau excellent. Après, c'est pas moi qui ai décidé du renvoi. Mais bon. J'ai pas des bons souvenirs. D'accord, bon, merci. Pas d'autres questions, vous êtes sûr ? Non, non. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Merci. D'accord. Merci à vous. Ça commence à me paraître bizarre, cette histoire, quand même. Hein. Mademoiselle, vous allez bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Mais ce matin, Antoine n'est pas venu à la répétition alors qu'on a un concert ce soir. En fait, ça me saoule énormément, vous voyez ? D'accord. Bonne chance avec votre concert. Visiblement, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans cette école.
notamment la gestion des élèves et la fabrication d'instruments tenus secrètes. Voici venue l'heure du repas de midi. Profitons-en pour faire un tour aux cuisines. Voilà les cuisines. Allons maintenant interviewer le cuisinier et voir comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Des journalistes, on fait un reportage. Est-ce que vous pourrez nous répondre à quelques questions? Oui, mais là j'ai un repas pour 50 personnes à préparer, donc j'ai pas beaucoup de temps, je vous écoute. Je veux savoir quel genre de repas vous servez aux élèves. Ah ben, comme c'est des jeunes, on essaie de faire des repas diététiques et équilibrés, forcément. Tant qu'à faire biologique, dans la mesure du possible. D'accord, et vous savez d'où proviennent les ingrédients? Évidemment, c'est du local, c'est du très local même. C'est de la viande 100% française, d'excellente qualité. On fait très attention à ça. Il faut que je vous laisse maintenant, hein. Mais bon appétit. D'accord, merci. Apparemment, on cherche à nous cacher beaucoup de choses. Cette école est-elle ce qu'elle prétend être? Suite à cela, Clara Dolovan a décidé de mener une enquête plus approfondie. Bien, bien. Il n'y a personne à cette heure-ci. A priori, il faut qu'on soit discret. Bien. Regarde, regarde. Il faut qu'on filme ça, ça va faire un... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas possible! Mais si. C'est quelqu'un? Bonsoir. Ça vous dirait d'apprendre comment faire manger ici?